êtes sur la Mondardez à la case. Pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi tu m'as rien dit pour maman? Parce que je voulais pas t'inquiéter, je suis désolée, Lucie. Viens là, viens là, viens ici. Viens là. Mais elle a disparu quand? Elle a disparu dans la matinée. Pendant son footing. C'est Anna qui m'a dit qu'elle n'était pas à l'agence. J'ai rien fait. J'ai commencé. Faut que tu me crois. Si je te crois pas, qu'est-ce que tu fais? Tu m'assommes encore, c'est ça? Hein? Tu m'as pas laissé le choix. T'as failli me tuer. Il faut qu'on retrouve ce sentiment. Allez, on avance. La police va le faire, ils sont là pour ça. Non, pas la police. Je peux pas leur faire confiance. Je te demande rien. C'est peut-être mieux si nos chemins séparent ici. Lucie a besoin de toi. Elle a besoin de toi aussi. À l'heure qu'il est, elle doit être chez mes parents. Elle m'a dit de te dire qu'elle t'aimait. Je suis désolée, Laurent. Je suis désolée. On avance, on avance. Ne nous oublie pas, merci. Quand même. Et sinon, on va où ce soir? Ce soir, alors moi, pour ce soir, j'ai l'idée. Excusez-moi. Je n'en ai pas pour tout le monde. Je sais que Sophie, c'est pas votre truc. Mais comment ça, c'est pas mon truc? Mais c'est pas grave. Excusez-moi, vous vous croyez où, là? Oh? Sur votre voiture? Ah, c'est ça, allez, foutez le camp, s'il vous plaît. Comment vous faites, monsieur Deslandes? Comment vous connaissez mon nom? Non, sérieusement, comment vous faites pour boire du champagne, profiter avec vos amis, signer des contrats, alors que votre fils a disparu? Vous connaissez rien de ma vie, dégagez d'ici, là. C'est vrai, j'y connais rien. Si ça se trouve, votre fils, il a disparu dans la forêt et vous, vous êtes là à faire le beau. Comment vous faites pour regarder dans la glace? Qu'est-ce que tu cherches? Vas-y, vas-y, fais-le! T'en as toujours rêvé, vas-y! Victor? Pardon, il y a un problème? Les douleurs partent de là et ça s'étend partout. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Parce que moi, j'ai pensé à une hypertrophie ventriculaire. J'ai lu que ça arrivait plus souvent chez les sportifs et comme j'ai longtemps fait du foot. C'est vrai, vous avez un problème. Grave? Voici l'adresse d'un confrère. Un psy? Oui, je ne pense pas être la bonne personne pour le résoudre, ce problème. Attends, Gilles. 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 Ouais. Dis Gilles, tu travailles bien dans une banque, c'est ça? Ouais. Pour un truc quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu traces des aisselles? Oui. Ça tient pas, fini tout de cocu. Mais je t'ai pas trompé! Je l'ai pas trompé, je vous jure! Attends, moi si ça se voit dans tes yeux que tu m'as trompé. Et voilà. J'en ai rien à foutre de cette meuf là, c'est pour le boulot. Ça c'est du boulot, ça c'est du boulot. Non, ça c'est pas du boulot, ça c'est du love. Moi je t'ai toujours dit, Michael, tu tournes avec qui tu veux, par contre tu tombes pas amoureux. Regardez-moi ça, voilà. Là, vous voyez? Vous voyez là, l'expression de sa bouche quand il fait comme ça, et ses yeux, là, il me trompe, là, il joue pas la comédie. Là. Comment je peux vous aider?
Bah moi, je veux divorcer. Tu me prends pour un con, là? Tu m'as vu? Je suis flic. Tu fais ce que tu veux, JB. Mais tu parles de quoi, là? Fais ce que tu veux, ça me regarde non, pas. Non, attends, je vais t'expliquer, parce que... Non, je veux rien savoir. Ah, attends, mais je baisse pas, c'est pour... C'est du... De quoi? Un pote qui m'a demandé pour des anniversaires, des enterrements d'une jeune fille, on danse quoi. C'est toi là? Non, c'est pas moi. Ah ouais, c'est. C'est professionnel en fait. C'est ça, hein? Comme les. Comme les Chippendales. Tu danses avec le. C'est ça. Ta femme est au courant? Je veux dire qu'elle est au courant. Non. Bah si. C'est elle qui m'a demandé. Attends, quand... T'as vu combien mon pote se faisait en une soirée, je te jure, c'est... C'est bon, hein? Ouais. Putain, tu te fous de ma gueule. Pas du tout. Tu te fous de ma gueule. Non? Tu te fous de ma gueule, je te pas jure. Pas du tout. Attends, mais c'est chaud, avec mon salaire de flic, le troisième gamin, on tire à l'angle. Bravo. Je pensais que tu te reposais à l'hôtel, mais ils m'ont dit que ça faisait 2 jours qu'ils t'avaient pas vu. Bah, elle a dormi à l'hôpital hier, et puis on était directement au commissariat après, en fait. Serge, j'étais vraiment pas bien, du coup. Il s'est occupé de moi. Ouais, j'ai fait couler un bain, quoi, c'est pas... Ouais, occupé de moi. Et je serai plus jamais jaloux. Je t'aime. Fort. Moi aussi, je t'aime. Et ben, il faut que je te dise... Oui, mon Pierrot. Ça va, mon poulet? T'as une drôle de voix? Non, ça va très bien, mon Pierrot. Ça va super bien. Je vais être papa. Et comment tu sais?